Simplement, là, le choix, c'est de potentiellement confier les clés au Rassemblement national, à un parti qui, même s'il a ripolliné la façade, fait de la haine de l'autre la base de sa grille d'analyse de tout ce qui ne va pas. C'est toujours la faute de l'étranger, de l'autre, de celui qui ne partage pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, qui n'est pas comme les autres, etc. Et on parle de mettre à Matignon quelqu'un qui présente très bien, hein, qui est super pour faire des selfies. Mais qui n'a jamais géré ne serait-ce que une mairie de village. Passer de selfie-man Premier ministre de la France, il y a quand même un léger gap entre les deux, surtout quand vous êtes dans un contexte qui est celui que nous connaissons.